What saved Ariadne would not save me. She had grown up with that melody, and had developed a mind so distorted that it could withstand the horrors it saw each day. But there was another way out. To break the connection between our reality and that terrible place. To take the song and its nightmares to their place of origin. I was the only person who could do it. The only one who had heard the melody and, so far, lived to tell the story. Time was running out. The mansion was still far away, and my damned car chose that precise moment to go belly up. Everything seemed to conspire against me, but I wasn't about to give up. There wasn't much time left, but I knew I still had a chance. Waouh. Mais waouh. It's almost over. Just find the box and take it to that place. Mais waouh. Glauque mais joli. Bienvenue dans ma vie. Mais voilà. Come on, you got this. Et on peut y arriver. J'arrive pas à voir Ariadne d'ici. Ariadne, c'est celle qui avait. Oh! J'ai plein d'hypothèses. Est-ce que Ariadne va pas donner sa vie pour me sauver? Est-ce que Ariadne ne va pas m'utiliser pour se libérer? Est-ce que Ariadne n'est pas l'incarnation de la présence? Est-ce que la présence ne va pas m'utiliser comme portail? Pour venir dans ce monde une fois pour toutes? Oh, t'y entres! Ariadne, c'est pas... Peut-être qu'elle va m'utiliser pour s'appeler Daniel. On lui a rendu sa boîte à musique. She doesn't answer. I should go inside. Si seulement j'avais une grenade. Oh, je vais quand même rentrer. Je suis un vandale. Oh rien. C'est quoi qui dort là? Des petites boîtes de décoration métal. 28 septembre 98. Auteur Étienne Bertrand. Waouh. J'avais oublié. Piano très probablement du 19e, ok. Tellement désolé. La lampe est tombée du plafond et a écrasé tout ce qui avait en dessous. Personne n'a semblé se soucier. It can't be. It doesn't make sense. Avant de commencer à fouiller la maison, je voudrais trouver Ariadne. Et lui poser des questions sur la boîte à musique. En même temps, il est au bout du rouleau, là. Il est complètement au bout du rouleau, là. Son esprit est brisé, là. S'il n'y a jamais eu des oiseaux ici, c'était bien il y a longtemps de cela. Il n'y a pas de carte dispo, ok. Miroir cassé, c'est probablement Argos le Grand qui l'a fait. Je ne pense pas qu'Ariadne ait jamais été invité à les casser, comme toutes les autres victimes de la chance. Mais le mannequin, une vieille radio et deux bustes en pierre sont probablement les ancêtres de la famille. Mais tout est en train de partir en kick. Un livre d'histoire qui parle aussi bien de la famille Legrand que du manoir Amsberg. Il est beaucoup plus ancien que celui que nous avons trouvé à l'université. Une pile de vieux livres. La plupart d'entre eux ont plus de 100 ans. Mrs. LeGrand, pardon me for barging in like this, but I need that box. Mm-hmm.
Oh, André! Attends, je vais faire comme j'aurais fait dans la vraie vie. Je vais aller de face. Là. Pourquoi elle tourne la tête là? Elaine. C'est sa sœur. Est-ce que c'est sa sœur qui a un... Est-ce que sa sœur, c'est... C'est la présence? Est-ce qu'elle sent la présence de sa sœur qui est morte? Est-ce qu'en vérité, la présence depuis le début, c'est sa sœur qui hante Ariadne? Elaine, Ariadne's older sister. What a senseless tragedy. The box, the music box I gave you. I need it. S'il vous plaît, aidez-moi. Tell me where it is. Its box is upstairs. Thank you. I promise I'll free both of us from that cursed thing. Upstairs, Mr. Neuer. No. In my room. There. Ça a l'air tellement triste. It doesn't like the light. Elle a l'air résiliée. Non, non, ça c'est SFR. Elle a l'air résignée. Elle veut m'aider, je n'ai pas besoin d'aide. Mais elle, oui. Quoi? Et je trouve l'histoire, mais... incroyable. Toujours jeune, toujours sombre. C'est sa sœur. They never escape from the closet. No way. Père accroché au plafond. Hanging from the ceiling. Bah, il s'est pendu. J'ai tellement de questions, j'ai tellement de... d'hypothèses. Okay. Oh! Non, c'est une bouteille? C'est quoi? C'est une bouteille, hein, c'est pas la bouteille de musique, on est d'accord. C'est ça, elle aurait vécu avec sa sœur tout le long. Ambiance. Attention. La boîte est dans la chambre, mais je fais plus confiance au jeu. Le son est incroyable. Incroyable. Bon bah, c'est parti. La mère d'Ariadne. Nathalie Emsberg, je pense que je me souviens. Ok, c'est parti. C'est... Notre personnage d'une petite fille, le nom Elaine apparaît à plusieurs reprises. Oh, Elaine le Grand avec Ariane dans ses bras. Non, c'est sûr. C'est sûr, la présence, c'est sa sœur. Depuis le début.
et que elle voulait rester en présence de sa sœur. Elle voulait pas s'en séparer. Il y a tellement de poussière sur les feuilles qu'on peut à peine en deviner la couleur d'origine. Elles ont probablement là depuis des lustres. Là, on a vu où ils ont fini les lustres. There it is. I see it next to the mirror. Non. Oh, fin du jeu. Bien entendu, je ne peux pas l'ouvrir. Ok. Il y a une épaisse couche de poussière sur le matelas. Il semble toujours légèrement déformé, comme si quelqu'un avait dormi dessus il y a longtemps. Et pourquoi pas Bérénice Prestigara. C'était là où était Bérénice. Bérénice était là. La doc était là. Il y a un miroir qui n'est pas brisé. Comme dans l'abbaye avec lui. Oh, ok. Oh non. Il va éteindre et allumer. Oh la vache. C'est plus rapide que l'ascenseur en tout cas. Dear God, what is this hideous place? Est-ce qu'il va se sacrifier pour... bon, je prends l'âge, franchement. Oui. Il y a Argos le Grand. Et il se demande juste s'il doit lui donner un coup de masse. Si je mets non. Il se passe rien. Et si là... Mais non, sinon ça fait devant là. Nom de Dieu. Est-ce que je dois frapper? Pas avec la masse. Non mais moi c'est mon premier réflexe. Ah mais c'est... C'est Toc Toc ou Toc Toc H? Oh! Quoi? C'est toutes les victimes! Les victimes de l'entité. Sébastien Usher. L'écrivain. Je dirais qu'une gaine d'ascenseur géante, mais est-ce que c'est là que Bérénice s'est trouvée? Et là, et là. Bon ben, tapons. This can't be real, Mr. Husher. Il est bloqué dans son cauchemar. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est mon cauchemar? C'est ma folie, mes ténèbres, mes abysses, ma malédiction? C'est là où finissent? Condamné à l'éternité.
l'histoire de ma famille, de toutes les personnes qui ont résidé dans cette maison. Ils vont s'activer. Obligé d'écrire tout ça. Husha a écrit « Masha n'a pas trouvé la sortie. Piégée, isolée dans sa chambre, l'obscurité a surgi d'elle. Où s'est-elle réfugiée ?» Et c'est lui qui écrit tout ça. Je décide de l'endroit où elle s'est réfugiée. Quoi? L'abbaye? C'est ça? Suicide? Alcool? Ou? Le dernier, c'est quoi? La Bible? Mais la Bible, c'est sûr. Masha a trouvé la sortie. Piégée et isolée dans sa chambre. L'obscurité a surgi au-dessus d'elle. Ouais, la Bible, enfin, je vais pas choisir, par défaut, je vais pas choisir l'alcool ou le suicide. C'est... Masha sought refuge in her old Bible. Masha a cherché le refuge dans la vieille Bible. Cependant, aucune prière n'a pu la sauver. Masha a écrit « Julia a encore trouvé la porte impossible, mais cette fois-ci, elle était entrouverte. Qu'a-t-elle fait ? C'est moi qui décide. » D'entrer, de partir, d'appeler. Non, partir. Possible, mais cette fois-ci, elle était entrouverte. Ok, c'est pas ce qui s'est passé. Ouais, appelé avant. Ok. Ok. Ok, je retrace l'histoire et en même temps, ça me permet de savoir ce qui s'est passé. C'est probablement l'une des manières d'apprendre le lore de manière la plus glauque qui soit au monde. Le premier était un first try, ouais. Julia est entrée désireuse de la laisser ouverte. Elle est terrifiée quand elle a découvert qu'une fois de l'autre côté, la porte avait disparu. Comme au début du chapitre 1. Et là, elle a disparu. Ok. Catherine et Saul étaient enfermés dans la chambre quand soudain la porte a commencé à s'ouvrir. C'est glauque et intéressant et ingénieux. Qu'est-ce qu'elle a appris? Catherine et Saul étaient enfermés dans la chambre quand soudain la porte commence à s'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ciseaux? C'est quoi? C'est saut? Bat de baseball. Un saut. Elle appelle un avocat? J'ai pas compris. Ciseaux, je dirais. J'ai fait trop d'erreurs. Je pense que... Je vais voir. Oh! Je l'ai pas libéré. Ouais, faut se rappeler là.
Je les ai condamnés. Mr. Farber? What? J'ai pas le droit à l'erreur. What? Qu'est-ce que c'est? Je dois échapper à ce cauchemar. Je dois nous tous sortir de cette folie. Quoi? Ok, je reconnais ça. Ouais, face à lui. Mais est-ce qu'il faut que j'ouvre ? Est-ce qu'il faut que je l'épande ? Qu'est-ce que je dois faire ? Okay. Il faut que j'ouvre... Il y a trois angles. Mercredi. Faut activer les leviers où il y a des pendus en fait. Ouais, c'est un genre de piège, hein, j'ai l'impression. Là, c'est pile face à moi. Il a l'air un peu bas. Okay. J'ai l'impression que c'est celui-là. J'ai l'impression que c'est... Attends, je vais peut-être pas me mettre là. Ah, souhaitez-moi bonne chance. C'est une bonne chance. Et celui-là, j'ai dit, hein. C'est parfait. Est-ce qu'il y aura un... Ouais, un ordre. Et le dernier, c'était lequel? Si, c'était bon. C'était 3. Just
with the rest. Non. En fait, j'ai 2 chances sur 4 d'y aller. Ou alors c'est un game over. Et j'ai pas d'autres persos, hein. Il faut résoudre 2 énigmes sur 4. C'est pas pour les sauver. C'est pour réussir à passer. Oh, mais c'est tellement bien vu. C'est tellement horrible. N'utilise la condamnation. Mais. Bérénice, bah ouais, on va essayer de la sauver. Enfin. Dr. Prestigard. Les morts n'étaient pas vaines. What? En fait, les condamnations, les morts, leur mort nous permet. Non, c'est trop bien vu. D'accéder à la fin. Non. Il y a encore 2 patients qui n'ont pas entendu la chanson, mais je me rappelle pas de qui. Quelle horreur! Cette machine jouera la mélodie dans la cellule de mon choix. Je dois faire mon choix avec soin. Quoi? A solar eclipse towering over a great expanse. Il faut se rappeler des dessins. Like c'est récent, c'est récent. Have you recently dreamed about an eclipse? Vous récemment rêvé d'un soleil en pleine éclipse? Quoi? Ok. Ariadne, are you there? Always lies. The man next door. He always lies about his dreams. Il y a une logique à comprendre. C'est cloque. Attends, 1, 2, ok. 1, 2, 4, 5, 6, ok. Recently dreamed about an eclipsed sun. Ok. Il y a 2 patients qui n'ont pas la musique, mais lesquels? A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? Ok. Ariadne, elle a eu la musique. On a fait l'expérience sur elle. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? No. Donc, on sait que c'est pas elle. C'est pas la 4, on le sait. On sait qu'il faut ici parce que lui, il ment. On barre la 4 en effet. Ariadne dit qu'il ment. On part du principe qu'à partir du moment où ils disent non, je dois leur donner la musique. Mais il n'y en a que 2 qui disent... Il n'y en a que 2 qui n'ont pas eu la musique. Donc on peut éliminer le 4 et le 5, je pense. Je comprends la logique comme ça, hein. Lui, on voit pas de dessin. Ah, mais on voit pas la moitié droite. Lui, il est face au mur. On va se référer aux indices. Lui, il regarde la lumière. Il regarde la lumière. Il est concentré sur la lumière. Je vous rappelle que la lumière repousse les ténèbres. Lui, il regarde pas la lumière. Mais il est dans la lumière. Ah, attention. Il y en a un là qui était dans l'obscurité.
Lui est dans l'obscurité, donc je dirais que lui, il n'a pas eu. Je dirais à brûle pour point que c'est la 2 et la 1. Ok, le 1. Souhaitez-moi bonne chance. 1 et 2, attends. On peut le faire qu'un à la fois. Oh non, c'est du génie. C'est du génie et de la torture. On peut pas faire les deux en même temps. Ah, c'est de la torture. Ah, c'est de torture, mon gars. Je suis désolé, mec. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Alors, pour le coup, on n'a même pas lu ça pour avoir notre logique, tu vois. C'était ma bonne chance. Allez, allez Bérénice. Alors, on y croit. Allez, la chanson. Allez. 1. En plus, c'était une demoiselle, là. See you never. Non, t'es revenu. Si. Succès déverrouillé, retour à la case départ. Qu'est-ce que ça veut dire que ce... Ça veut dire quoi ce... Quoi ? S'il te plaît. S'il te plaît. Eh, attends, elle était là? Non, elle était en bas. Je vais juste rester à l'infini ici. Je vais juste ouvrir des portes et refermer. Tu sais quoi?
Ok. C'est tellement bon. Ouais. Chance. Oh, elle est pétée là. Pourquoi il y a le... Pourquoi il y a l'obscurité là d'un seul coup? Everything will be okay, Mrs. Legrand. Tira bien, Madame Legrand, cette chanson ne sera plus jamais jouée dans ce monde. T'es sûr? T'es sûr? Non, t'endors pas. T'endors pas. T'endors. Oh! Non. What time is it? Je suis dans son monde. It's getting late. Do you mind if I turn on the light? No. It doesn't like the light. No. But it likes the sound. Qu'est-ce que tu fais? C'était sa sœur. Quoi? Les créatures, c'est nous. C'est nous les créatures. Quand on essaie de sortir de la porte, en fait, et qu'on nous condamne, et qu'on nous repousse, tous ceux qu'on a empêchés de sortir, les créatures sont toutes les personnes enfermées par l'entité. Je suis choqué. Je trouve que l'épisode 5 est vraiment incroyable. Je trouve ça bien que l'épisode 6 ne soit pas le plus long. Alors, je trouve ça très, 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 très bien vu que l'épisode 5 soit moins long que les autres. Un poil, mais pas trop. Un peu moins long que les autres. Et que le 6 soit beaucoup plus court. Je trouve ça très bien. Si c'était aussi long, il y aurait un côté genre endurance, tu vois, un côté... L'ambiance sonore est incroyable. Le son, la mise en scène, l'absence de son. L'absence de son, quoi. Une ambiance travaillée, vraiment tout incroyable. Non, en fait, il y a plusieurs choses. Je suis extrêmement reconnaissant qu'on ait fait tout ça ensemble. C'est l'un des jeux les plus longs qu'on a fait ensemble. On a fait ça depuis des mois. Depuis des mois, et je suis content qu'on n'ait pas rushé pour rusher. Ouais, moi j'adore franchement le principe de paradoxe temporel et tout, de trappe temporelle, c'est un truc qui me parle. Qu'est-ce qu'on va faire comme jeu d'horreur maintenant ?